La chance avant Roland Garros de corder Stefanos Tsitsipas. C'est le Saint Graal quoi, j'étais content. Alors salut, moi donc je m'appelle Johan, j'ai 36 ans et là ici pour le tournoi à Sifa je suis cordeur. J'ai commencé jeune à 16 ans et j'ai bossé chez Decathlon, donc c'est là-bas que j'ai appris à corder. Alors sur l'Open Sifa on est deux cordeurs, une quarantaine de joueurs, on essaye de séparer un peu les joueurs, de faire moitié-moitié. Le joueur vient déposer ses raquettes. Par joueur, ils ont à peu près 6-7 raquettes. Du coup, nous, on les réceptionne. On note ensuite après les informations. La tension qui veut, les particularités. Par exemple, sur du boyau, il y a le pré-stretch. Donc, c'est le fait de travailler un peu plus le cordage avant de le tendre. Tension différente sur les montants, sur les travers. Ça dépend des joueurs. En fait, plus c'est tendu, si tu veux, et plus tu auras de précision, mais moins de puissance. Et moins c'est tendu, plus t'as l'effet trampoline, donc t'as plus de puissance. Donc on commence au centre, par les montants, et ensuite par les travers. En fait, sur la raquette, en fait, à l'intérieur, là ça s'appelle le cœur de la raquette. Ici, il y a noté en fait 16-19 ou 18-20. C'est-à-dire que là, je vais en avoir 16 et 19. Et j'en ai, c'est 18 et 20. Sauf qu'il y a une raquette là qui était imprimée, il y avait marqué 16-19, et en fait c'était une 18-20. Du coup, j'ai recommencé deux fois, mais c'était à cause d'Alexis. Mais en tout cas, moi, ce que je fais, c'est que je compte le nombre de montants, je rajoute plus 1 pour avoir la place après de tirer ma corde. Alors, pour corder une raquette, il faut à peu près... moi, au meilleur, j'ai fait 12 minutes. Après, là, en moyenne, je suis à 15-20 minutes. Ça, c'est pour accrocher, pour tenir le cordage. Et après, on finit en beauté par un petit nœud, voilà. We'll be right back.